La Chine est l'un des pays les plus touchés par la désertification. La superficie de désertification représente à l'heure actuelle 16% du territoire national, soit plus que la somme des terres cultivées dans l'ensemble du pays. Le désert Muhu est l'une des quatre grandes zones désertifiées en Chine. Il est essentiellement situé entre Ordos et le haut plateau du Leus. La mare Tingpei, au fin fond du désert Muhu, est une zone vierge où les conditions étaient particulièrement rudes. Elle a été surnommée la mare effrayante, qui signifie que ceux qui passaient par là seraient terrifiés par son environnement invivable. Or, de nos jours, la mare Tingpei est dotée de bois et de terrains irrigués. Il nous est difficile d'imaginer son passé désertique. Ces bouleversements sont dus à une femme du nom de Yin Yuzhan. Lors du concours de sélection des porteurs de la flamme olympique organisé en août 2007 par CCTV, la chaîne des sports, Yin Yuzhan a été sélectionnée comme candidate porteur de la flamme olympique. Yin Yuzhan habite aujourd'hui à la mare Tingpei, village Erlingchuan, canton du Henan, district de Wushan, en Mongolie intérieure. En 2006, elle a été élue l'une des vedettes de la rencontre avec les 10 premières personnalités les plus influentes de CCTV. Cette femme qui a ému tous ses compatriotes est en fait une simple paysanne qui a inlassablement planté des arbres pendant 22 ans dans le désert Muhu. Originaire du district de Tingbian, province septentrionale du Shaanxi, elle est née dans une famille pauvre, cinquième enfant de la famille. Un jour, son père est parti faire paître son troupeau de moutons. Il a fait la connaissance de Paide quand il lui demandait de l'eau à boire dans le désert. Plus tard, il a marié sa fille, Yuzhen, au fils adoptif Pai Wanxiang de Paide. Ainsi, la jeune mariée est arrivée à 19 ans à la mare Tingpei. À des dizaines de kilomètres à la ronde de la mare Tingpei vivait seulement la famille Pai. La jeune Yin Yuzhan n'avait jamais vu de pays aussi désertique. Elle a compris que cette région était non seulement pauvre, mais aussi invivable. À l'époque, ce local était la chambre nuptiale de Yin Yuzhan. Dans les lits faits d'herbe, les nouveaux mariés ne pouvaient pas se coucher sur le dos parce que le vent chargé de sable pouvait à tout moment les enterrer. Face à cet affreux environnement, Yin Yuzhan a eu l'idée de s'en sauver. Pai Wanxiang, qui vivait de la mendicité dès l'âge de 7 ans, a enfin pu épouser une femme à l'âge de 21 ans. Yin Yuzhan n'a pas eu le cœur de l'abandonner.
Au début, elle ne s'habituait pas à la vie solitaire dans le désert. Durant les 40 premiers jours qui ont suivi son mariage, elle n'a vu qu'un seul être humain passer devant chez elle. À ce moment-là, elle s'est mise tout de suite à courir derrière ce passant. Il n'y avait pas trace de vie humaine. Elle ne pouvait parler à personne. In Ujian en souffrait énormément. L'empreinte a été conservée pendant un an et a disparu progressivement malgré la cuvette. Quoi qu'il en soit, In Ujian n'a pas pour autant renoncé à sa détermination de rester auprès de son mari. Au printemps 1986, In Ujian a été surprise de voir l'unique vieil arbre au bord du puits verdir. Elle a compris que les arbres pouvaient être plantés dans ce désert puisque cet arbre parvenait à survivre. Tenant compte du pour et du contre, elle a pris une décision audacieuse. Planter des arbres. Avec courage, In Ujian s'est engagée dans la longue route de plantation d'arbres en vue de reboiser le désert. Autrefois, le district Wushan était un pays couvert de forêts et de prairies. Sous les dynasties Ming et Qing, on défricha cette terre. Dans les années 60, on y a détruit beaucoup de forêts pour développer l'élevage, si bien que les terrains se sont désertifiés d'année en année. Selon les statistiques, la couverture forestière n'atteignait que 5% dans l'ensemble du district dans les années 50. L'écologie y était sérieusement détériorée. In Ujian a décidé d'y planter des arbres, mais ce n'était pas chose facile pour elle, qui n'avait aucune expérience en la matière. Au début, les arbres qu'ils avaient plantés ont tous été emportés par le grand vent ou enterrés par le sable. Au cours de ces années-là, In Ujian n'a pas vu de plantules pousser comme le vieux peuplier. Les plantules, achetées avec tant de peine, ont été emportés en une nuit par une tempête de sable. L'échec a empiré la situation de la famille, déjà très pauvre, de In Ujian. Pour économiser de l'argent dans la perspective d'achat de plants, il mangeait des herbes sauvages comme Agriophyllum scorsum et autres. Ce qu'ils craignent le plus dans le désert, ce sont les tempêtes de sable. Un jour, un grand vent s'est levé au milieu du désert. Le sable ravageait tout. En plein jour, ils ne voyaient rien. Ils ont perdu le nord. Ils ne trouvaient pas le chemin du retour. Ils ont rampé pendant une demi-journée dans le désert. Finalement, ils sont allés à l'opposé de leur maison. Quelques heures plus tard,
ils sont revenus au point de départ. Pendant qu'ils s'impatientaient, ils ont entendu leur chien aboyer. Grâce à ces aboiements, ils ont pu retrouver leur chemin. Grâce à la plantation dans le désert de plusieurs années, Inujen a cumulé de l'expérience. Les premiers jours, les plantules craignent plus le grand vent. Pour assurer une bonne pousse, Inujen n'épargne aucun effort pour fixer le sable avec quadrillage et paravent. Grâce à ses efforts inlassables, Inujen a cumulé des expériences précieuses pour un meilleur taux de pousse. Elle a non seulement su dompter le vent et le sable, mais aussi profiter du sable pour lutter contre celui-ci. Selon les conditions du sol et la position de la dune, elle est capable de déterminer, pour un endroit précis, l'arbre à planter, l'arbre de haute futaie ou arbrisseau. Concernant la plantation d'arbrisseaux, les pailles utilisent la méthode suivante. Ils amènent un troupeau de moutons. Les bêtes laissent donc des empreintes sur le sol mou. Puis ils y ensemencent des graines d'Amorpha fruticosa L de Edisarum levae maxim. Après, ils font revenir les moutons pour piétiner le sol. Peu de temps après, les pousses pointent à la surface du sol. Ces pousses ont donné de l'espoir à Inujen. De là, elle a conçu un projet plus ambitieux. Elle était prête à planter des arbres sur une surface plus étendue. Cela sous-entend que les pailles allaient rencontrer de plus grandes difficultés. Pour acheter un lot de plants pour l'expérimentation, elle a troqué l'unique mouton de la famille contre 600 plantules. Elle les a plantés autour de sa maison. Elle les arrosait tous les jours et les entourait de 1000 soins. Cette fois, elle a utilisé Asphérocéphala comme paravent. Les plantules sont protégées par ces barrières. Le taux de pousse s'est nettement amélioré. 400 plantules ont survécu. Comme Inujen tire des leçons de ses pratiques, elle a fait pousser 400 plantules d'un coup. Cela l'a déterminé à poursuivre son entreprise. À l'époque, sa famille manquait de nourriture. Quoique affairée aux travaux pénibles quotidiens, elle avait très souvent le ventre affamé quand elle travaillait. Mais elle avait une solution pour y résister. Quand elle était au bord de craquer, tant elle avait faim, elle se mettait à chanter à tue-tête. Elle chantait en plantant des arbres, elle oubliait la faim. Il existe une rivière, la rivière Salawasu, dans le désert Mouhous. Elle se jette dans la rivière Xiangshui avant de rejoindre le fleuve jaune en Mongolie intérieure. Le nom Salawasu signifie en mongol « mauvaise eau ». Comme son nom l'indique,
cet affluent du fleuve Jaune n'a pu apporter le volume d'eau suffisant à cette terre désertique. Comme la surface boisée s'est élargie, il est difficile d'arroser tous les arbres avec l'eau amenée à la palanche. Après y avoir mûrement réfléchi, les pailles ont mis 7 jours pour creuser d'une seule traite un canal de 7 kilomètres de long. Or, une tempête de sable est arrivée. Le canal qui venait d'être creusé a disparu. Inujan a pleuré amèrement, assise sur la dune. Malgré la joie procurée par les plantules, les pailles n'ont pas vu leur niveau de vie s'améliorer. Inujan a fait une fausse couche pour sa première grossesse alors qu'elle portait des plantules. Lors de la seconde, comme elle travaillait tout le temps, le bébé est venu au monde avant terme. Par bonheur, cet enfant prématuré a survécu. Avant que son bébé n'atteigne ses 50 jours, Yujian était déjà sorti pour planter les arbres. Les pailles usent chaque année une dizaine de paires de chaussures et une vingtaine de pelles. Les pioches sont changées 4 ou 5 fois. L'oasis s'élargissant, le climat devient plus doux, le vent plus faible et les pluies plus abondantes. Les cultures commencent à donner des récoltes. En 1997, à la tête de quelques collaborateurs, Cao Wenqing, maire du canton du Henan, du district Wushan, a débarqué avec nourriture et eau à la mare Tingpei reculée. Cette oasis a été révélée au monde extérieur. Inujan a décidé de construire une route. Elle veut établir un lien entre Saint-Martin-Pé et l'extérieur. En 1999, le maire du canton a débloqué 3 000 yuan et a contracté des emprunts pour financer la construction de la route. Inujan comprend parfaitement que dans ce désert, rien n'est possible si l'on ne commence pas par traiter le sable. Aussi a-t-elle commencé à mettre des quadrillages pour fixer le sable. Puis à l'aide d'un bulldozer, elle a réussi à faire une route de 9 km au milieu du désert. Cette route a au début été baptisée Route du désert, puis Route Yujan plus tard. Assis au bord de la route, le vieux Pai chante à cœur joie la chanson folklorique dont il a composé les paroles. <t'en>
Le 30 septembre 2007, le convoi du groupe Baosignao, témoin de la civilisation, témoin de la passion et visite du fleuve-mer, roulait sur la route Ujan. Enfin, les membres du convoi sont arrivés dans le désert Mouhous. Ils avaient du mal à croire l'état de ce désert Mouhous dans le secteur de la rivière Salaoussou, affluent du fleuve jaune, différent de ce qu'ils imaginaient auparavant. Cela leur inspire une grande admiration pour le personnage héroïque à rencontrer dans le cadre de l'action Visite du fleuve mer. Ils étaient impatients de rencontrer In Ujan. L'action Visite du fleuve mer visait à rencontrer des héros comme In Ujan, qui lutte contre la désertification des dizaines d'années durant. Or, In Ujan ne semblait pas connaître Rich Jen.你听过他唱的歌吗，大姐？我还是得会儿歌都不知道你说什么。有首新泰伦，新泰伦。是我一个问题，都自己扛。你看你爸所有问题都。以前听这个愚公移山的时候，我老是觉得，我有人那么笨吧？真的去挖一个山吗？后来，殷大贤看他种了一大片，十几二十年要坚持下来，真的很不容易，所以我觉得这种毅力还有坚韧不拔的精神，真的值得效仿。 种树苗是怎么挑哪种树是比较适合这儿种的？那一下那一开始的我也没想，反正哪个树能栽活，我就是。你就是买很多树，然后种种看。对，反正就种。看哪个哎，活得好，然后就找那个树。后来慢慢的，通过自己的摸索经验，哪个树在沙漠里头能生长，它能生存下来，所以我就是通过这个慢慢的摸索经验，现在已经有自己的思路。 Tout le monde s'est mis à planter un arbre pour exprimer l'estime et le soutien à In Ujan dans son entreprise de reboisement.看到就是这个大姐在这儿辛苦这么多年，种了这么多的树，我想我们来到这么远能够尽我们的一份力，是非常应该的。好，大家到这个沙漠来种树，像这个殷大姐来学习，我们希望能通过我们的行为唤起更多的人来关注我们沙漠这块的环保。你看我这个花的就是标准。殷大姐，我觉得十几二十年的那么辛苦，好像换成我，我是干不了那么辛苦的活，太伟大了。这个是不是在面子听说有多少六万多亩，六万多亩是个什么概念？多大了？他每天都干做，太了不起了。一个人在平凡的岗位上可以创造出不平凡的这个意境，他应该说是。 这句话最好的一个验证，就这么一片茫茫的沙漠当中，他用十多年的时间创造出这么一片绿洲来，这个精神啊非常的可嘉，确实是值得我们企业的这个学习。那么我想，一个人只要有精神，什么事情都能做到。水土保持力量大，水土保。 En 2002, In Ujan est sortie du désert pour la première fois en tant que héroïne de la lutte contre la désertification. Elle a suscité l'intérêt de tous. Le premier ministre Wan Jiabao l'a reçue en audience. Des amis étrangers ont été très touchés par son action. Ils sont venus à la Martin Bay de leur propre chef. Ils ont érigé une pierre portant des inscriptions louant les mérites des Pai. Ses amis ont dit, très émus, « Le miracle que In Ujan a créé » appartient à toute la terre. Ceux qui luttent contre la nature sont des héros authentiques, des héros de l'humanité.
Aujourd'hui, la famille Inhujan compte 300 moutons, 20 bœufs et 7 hectares de champs cultivés. Les plantules que sa famille cultive couvrent leurs propres besoins et l'excédent est cédé aux autres familles engagées dans cette même lutte. Face à la gloire et aux honneurs, Inhujan envisage pour la prochaine étape de construire un manoir pilote écologique moderne où elle exploiterait la plantation de plantes médicinales sur le sol sablonneux pour lutter contre la désertification et créer un environnement apte à la vie de l'homme. Le parcours légendaire de Inhujan, c'est 22 ans de travail, 4000 hectares de désert convertis en oasis. C'est 600 000 arbres plantés, ce qui constitue un cas unique au monde, le plus petit groupe, le plus petit nombre d'ouvriers pour la plus grande surface reboisée. Le vent chargé de sable y est de plus en plus faible. Les arbres luxuriants sont de plus en plus nombreux. Inhujan poursuit son entreprise de plantation d'arbres dans le désert. Elle espère que tout le désert Mouhous pourra, dans un proche avenir, devenir une oasis authentique.